Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui, on vous explique comment bien choisir vos ingrédients, votre matière première pour faire votre bière. C'est vraiment important d'aller à des bonnes places, choisir un bon endroit que beaucoup de stock est fait. Puis on va passer à travers différentes matières premières pour vous expliquer plus en détail quelle est l'importance et quel est le lien qu'il peut y avoir avec votre résultat final et la qualité des ingrédients que vous prenez pour faire votre bière. Et celui qui est le principal ingrédient, c'est l'eau. Et oui, plate comme ça, 90% de votre bière est créée avec de l'eau. C'est pour ça que c'est important de choisir une eau qui est propre puis qui est bonne à boire. Il faut éliminer le chlore de l'eau. J'ai déjà expliqué plusieurs fois comment l'éliminer avec un filtre au charbon actif. Pour le monde qui dit « moi je l'évapore puis c'est correct pour moi », ben tant mieux pour vous, utilisez un filtre au charbon actif ou de l'eau en bouteille. Pour les plus avancés, on peut aller modifier notre eau. Là, c'est important d'aller dans une place qui a tous les minéraux pour modifier l'eau et de se faire conseiller par la personne au comptoir c'est qu'est-ce qui est le mieux. Il faut vraiment prendre notre temps pour bien choisir les minéraux qu'on a besoin pour chaque recette parce que les autres ingrédients viennent en ligne de compte. Et tout dépendant du style et de la sorte de bière qu'on veut faire, les minéraux vont être vraiment, vraiment différents qu'on va utiliser. Notre deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient va être la matière première qui est l'orge, le blé, l'avoine, les flocons, les adjuvants en général qui se retrouvent dans la catégorie des maltes ou des fermentables qu'on va utiliser pour notre mash ou notre empattage. Aller dans un endroit qui a un bon taux de roulement, le grain c'est pas tout le temps bon. Il faut qu'il soit aussi bien entreposé, pas à des chaleurs extrêmes, pas directement aux lumières UV, parce que ça va faire surchauffer et ça va donner un mauvais goût à votre matière première. Et l'autre chose aussi, c'est d'aller dans un endroit qui a un grand choix, un vaste choix. Ici, toutes les maltes qu'on a sont scellées dans des sacs et mis dans des bacs hermétiques, vu que je pèse. Et qu'est-ce qui est important, c'est empêcher vraiment l'humidité de pénétrer dans le grain. L'humidité, c'est qu'est-ce qui va faire donner un mauvais goût à votre bière, à cause que le grain va être humide, puis ça fait comme un absorbant, puis c'est vraiment pas bon. La chaleur aussi extrême, c'est pas bon pour le grain. Fait qu'il faut choisir un endroit pour, quand on est à la maison, bien entreposer notre grain, si on l'entrepose nous-mêmes. Le grain est bon environ un an après leur maltage. Et c'est aussi environ 6 mois, d'après les malteries que j'ai parlé, un coup moulu. Pourquoi certaines personnes disent qu'il faut l'utiliser aussi vite qu'il est moulu? C'est pour justement empêcher l'humidité de rentrer, de pénétrer dans le grain qui est broyé. Tout le temps garder notre grain dans l'endroit sec, pas humide. Pas obligé d'être au froid, puis pas obligé d'être non plus sous vide. Juste empêcher l'humidité d'y aller. Bien choisir sa matière première, c'est aussi bien choisir la sorte de grain que vous avez besoin. Pourquoi qu'au brasseur, on a autant que ça? C'est pour vous assurer que si vous voulez faire une bière belge, qu'on aille dans les maltéries qui sont de type belge. Si vous voulez faire une bière anglaise, qu'on aille dans une maltérie qui est du type anglaise. Et etc. comme ça, jusqu'à faire tous les styles de bière que vous voulez. Chaque matière première, comme le grain ou le houblon, ont le terroir dans leur veine. Ça veut dire que s'il a été poussé au Québec, ben, il y a une partie du terroir qui se retrouve dans le grain. C'est pour ça qu'il goûte un peu différemment que celui qui est poussé en Australie ou celui qui est poussé en Allemagne. Les minéraux qui se retrouvent dans notre terre ou dans les terres où est-ce que ça pousse donnent vraiment un goût spécifique au grain. Deuxième chose, le malteur, la façon qu'il va malter son grain, la température, sorte de maltage qu'il va faire, si c'est un malt de plancher, si c'est passé à travers des machines, toutes ces choses-là va vraiment aussi donner un goût différent au malt. Le plus bel exemple, qu'on appelle un deux rangs, avec des noms différents, pourtant c'est juste du deux rangs. Si le monde dit juste du deux rangs ou juste du pale malt, c'est quel type de bière que tu veux faire. Plus qu'on va aller dans les bières aussi anglaises, plus que le grain va être malté. Alors c'est important d'aller choisir la bonne orge pour le type de bière que vous voulez faire. Je sais qu'acheter à la poche devient plus économique. Par contre, si vous voulez faire de la bonne bière, c'est pour ça qu'on brasse maison. C'est pour faire une bière de très haute qualité et on n'est pas obligé de garder tout le temps une sorte de grain de base. Moi, dans mes recettes, je change régulièrement de grain, tout dépendant des styles, tout dépendant de ce que je veux aller chercher comme goût, et je lis beaucoup sur mon grain. Pour ce qui est des grains torréfiés, il faut faire attention aussi. On peut substituer des grains, moi-même, je le fais souvent. Par contre, on est tout le temps mieux de tout le temps garder la même sorte qu'on voudrait. Si on dit, comme tantôt, on veut une bière belge, puis je viens avec du grain canadien, ben on a ôté un peu le terroir du grain. Wireman, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils ont changé leur nom. Tous leurs noms sont brevetés exprès pour eux. C'est rare qu'on va voir une autre compagnie avec le même nom. C'est juste qu'eux, ils ont décidé de les appeler différemment.
Fait que le carafa type 1, type 2, type 3, ça peut être du black, du chocolat, puis du roasted barley. Bien lire sur les grains qu'on veut. Surtout dans le Waterman, il y a beaucoup de monde qui ose moins les utiliser parce qu'on vous demandait un caramel 60. Ben dans Waterman, ça va porter un autre nom. Ça pourrait être du caravienne, du carafa, du cararoma. Puis eux, ils ont vraiment modifié les noms. Quand on utilise du Waterman, on peut pas substituer avec d'autres choses. Question de grains, on a pas mal fait le tour. Surtout, faites attention, comme je vous dis, à le prendre le plus frais possible, essayez de faire le moins de changements possible, puis quand vous créez une recette, si c'est la première fois que vous le faites, allez sur le site du brasseur, puis allez voir les grains qui sont disponibles pour faire votre recette. Deuxième matière première qui est quand même bien utilisée dans la bière, c'est le houblon. Avec les New England IPA puis tous ces types de bières-là très houblonnées, on parle de plus en plus de houblon. On a de plus en plus de houblon en magasin, évidemment. Vous êtes curieux, si vous voulez essayer, ben, ça nous prend plusieurs sortes d'houblons pour vous satisfaire. Et c'est bien correct comme ça. Moi aussi, j'aime ça goûter à plein de sortes d'houblons. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le houblon? Comment bien choisir son houblon? Encore une fois, on peut substituer. Si on veut un goût de Galaxy, puis j'ai pas de Galaxy, oui, je peux substituer par d'autres choses qui vont être dans la même famille, qui vont se ressembler. Par contre, ça va pas goûter le Galaxy. Et le monde, des fois, ils ont de la misère à comprendre que quand on substitue un grain ou un houblon, ça goûtera pas exactement la même chose. Si vous avez jamais fait la recette, c'est pas si grave que ça. Si c'est la première fois que vous l'avez fait. Par contre, il y a peut-être d'autres houblons qui étaient meilleurs que le Galaxy pour le type de bière que vous voulez faire ou qui va découvrir d'autres sortes de goûts. C'est vraiment important de bien goûter ces houblons pour bien les connaître. Le houblon, comment il faut qu'il soit entreposé? Évidemment, essayez de pas aller à des endroits où le houblon est à l'air libre. Essayez d'aller dans un endroit où le houblon a été mis sous vide. Essayez d'éviter le plus possible d'acheter des houblons qui sont mis dans des petits contenants, beaucoup d'oxygène dedans, et l'oxygène va faire vieillir vos houblons vraiment plus rapidement, puis peut même donner jusqu'à des goûts de fromage bleu. Ça, c'est bon. Pour avoir le houblon le plus frais possible, l'idéal, c'est d'utiliser des houblons qui ont été purgés à l'azote. Deuxième beau compromis qu'on peut y faire, c'est de le mettre sous vide, et c'est amplement pour les utilisations qu'on a. Il faut que la place où vous achetez votre houblon, elle la garde au froid le plus possible, et non à 10 degrés, je parle, mais vraiment à la température d'un frigo. Moi ici, je tiens mes frigos à 2,5 degrés environ, c'est pour moi la meilleure température. Il faut pas non plus les mettre au congélateur, beaucoup de monde croit que le congélateur est mieux, et non. Ça, vous pouvez le demander au commis que vous l'achetez, si vous l'achetez sur internet ou en boutique, tout dépendant où vous êtes dans le monde. Ben, demandez comment vos houblons sont entreposés, à quelle température. Peux-tu m'envoyer des images des houblons qui sont entreposés? Comme ça, vous allez être sûr qu'ils soient bien entreposés et que vous n'allez pas payer pour une qualité médiocre d'entreposage qui va affecter votre goût d'houblon. L'autre chose à faire attention aussi, c'est la date de fabrication du houblon. Beaucoup d'endroits ont beaucoup d'houblons à vendre et souvent sont moins chers qu'ailleurs. Si c'est moins cher, posez-vous une question. Souvent, ces endroits-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils achètent des fins de lot de microbrasserie. Il y a des sites spécialisés qui existent juste pour ça. Ça veut dire que moi, j'ai une microbrasserie. J'ai acheté mon lot de 2019. Il me reste 20 kilos de trop. Je le prends, je le revends à rabais sur ce site-là. Parce que je reçois ma nouvelle commande de 2020. Faut faire attention parce que vous pouvez avoir du vieux houblon. Il y a certains houblons qu'on peut aller jusqu'à du 2016-2017. Ils commencent déjà la saveur à s'estomper malgré qu'il a été purgé à l'azote et qu'il a été mis au froid. Si on veut une bière le plus possible fraîche, prendre des ingrédients le plus possible frais. Le houblon, ça pousse une fois par année, on fait une récolte une fois par année. Demandez-moi pas d'avoir du houblon de 2 mois. Si on est en 2019 puis la récolte n'est pas encore arrivée de 2019, on va avoir du houblon de 2018. Alors ici, j'ai commencé à tenir des 28 grammes déjà à l'azote. C'est pour ça que des fois, j'ai plus la possibilité d'épaiser. C'est pour le garder le plus frais possible pour vous. Quel est l'autre ingrédient qui vient tout de suite après? Ouais. Et oui, la levure! Pourquoi avoir autant de sortes de levure? Si vous regardez sur mon site web ou si vous venez en magasin, j'ai un grand frigo rempli avec plusieurs souches de levure, plusieurs sortes de levure, plusieurs manufacturiers de levure. Pourquoi j'en ai autant? C'est pour vous permettre de faire plusieurs tests et de goûter plusieurs choses. J'ai déjà fait le test avec White Lab, Wise et la US05. La WLP001 de White Lab, la 1056 de Wise et la US05 de Fermentis. Faites une bière. 60 litres de bière. On a mis ça dans les touris, puis on a mis trois levures. Les trois bières avaient un goût différent, avaient une couleur différente et une odeur différente. Pourtant, si on se fie au spec de chaque levure, c'est la même souche qui a été utilisée pour créer la même levure.
Ça veut dire que chaque laboratoire modifie un peu le profil génétique de la levure quand ils vont travailler avec. La grosse différence entre les levures liquides et les levures sèches, c'est que les levures sèches ont été déshydratées. Pour déshydrater une levure, c'est vraiment demandant pour une cellule de levure et c'est pas toutes les levures qui sont capables de supporter la déshydratation. On a plusieurs souches de levure liquide pour ces conséquences-là. Aussi, le fait de déshydrater la levure va changer un peu son profil génétique et c'est pour ça que ça va avoir un impact sur le goût de votre bière. Comment bien entreposer sa levure au froid dans un frigo? Mais pas que le frigo soit trop froid pour justement faire geler le liquide ou la levure qui se trouve dans le sachet. Bien la choisir d'après votre style de bière et chaque compagnie de levure va faire un profil différent pour le style de bière. Sur les New England IPA, on a une levure qui est commune à chaque manufacturier qui porte un nom différent. Et beaucoup de clients me disent « Non, j'aime mieux elle que elle. » C'est la preuve que vu que c'est la même souche, mais travaillée différemment, vous aimez mieux une que l'autre. C'est aussi important de bien vérifier les dates sur les levures liquides. Et c'est votre responsabilité de vérifier les dates sur les levures. Si la levure est expirée, il faut vraiment la vérifier avant de partir de votre magasin pour être sûr que vous avez une bonne levure en bonne santé. Pourquoi choisir encore là une fois différentes souches de levure? Pourquoi pas les prendre juste déshydratées? Comme je vous l'expliquais, chaque levure a son rôle à jouer dans la bière et sa sueur va donner un goût particulier à la bière qu'on appelle un ester. Alors, utilisez une bonne souche de levure pour vos bières. Autre conseil que je peux vous donner, essayez de lire le plus possible sur les types de bières que vous voulez faire et sur le goût que vous voulez avoir d'après la levure. Gardez-vous toujours un backup. Fait que plan A, plan B et même parfois un plan C. Allez dans un endroit qui a beaucoup de levure et allez à un endroit qui vous offre la possibilité de faire beaucoup de sortes de tests pour vous aider à vous améliorer. C'était vraiment une introduction à comment créer une recette. Dans les prochains tutoriels, on va vraiment rentrer plus en profondeur sur le grain, comment le choisir pour type et tel type, aller où aller chercher vos informations, quand vous avez besoin pour votre recette. Par contre, si vous voulez une bière de qualité, regardez les quelques petits points que je vous ai dit et posez des questions à votre commis. S'il ne veut pas vous répondre ou s'il ne peut pas vous répondre, vous allez savoir que peut-être de ne pas acheter cet endroit-là. Deuxième point, s'il vous répond puis vous apercevez qu'il vous a menti, ben pensez-y à deux fois parce que ça se pourrait bien qu'il vous mente une deuxième fois et ça se pourrait bien qu'il ne soit pas capable de répondre à toutes vos questions pour le brassage. Dernier point que j'aurais à vous dire, c'est aller dans un endroit que le monde a le goût de vous montrer à faire de la bière, que vous vous sentez bien accueilli et que la personne prend le temps de vous expliquer comment c'est fait. Qu'ils te rendent le temps de vous expliquer leur matière première, pourquoi ils n'ont autant, pourquoi ils ont plein de choix. Si vous allez dans un endroit qui a, une petite section de grains, probablement que leurs taux de roulement ne sont pas exceptionnels. Deuxièmement, probablement aussi que ces personnes-là font pas ça pour les bonnes raisons. Ils ont parti des boutiques plus parce que c'est le hype de la microbrasserie, plutôt de dire « je fais ça comme passion ». Je me demande de qui je parle. C'est tout pour la petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir, partage en grand nombre, oublie pas la petite cloche. Puis on se dit dans une prochaine vidéo pour l'élaboration de recettes ou autre chose. Comme vous savez, j'ai plein de choses à vous expliquer puis à vous montrer. D'ici là, les amis, amusez-vous bien, faites de la bonne bière, partagez avec vos amis, venez m'emporter pour que j'y goûte si ça vous fait plaisir. Ça va me faire un grand plaisir de vous critiquer dans votre expérimentation. Et sur ça, on se dit à la prochaine. L'autre point que je veux vous parler pour vos grains, c'est la façon dont a été concassé votre grain. Regardez le moulin, regardez votre grain avant de partir de l'endroit. S'il est trop moulu fin, vous allez sortir des tanins de votre bière et ça, c'est un très mauvais goût. Et beaucoup de boutiques ont leur moulin en avant que peu importe qui vous êtes, vous pouvez l'ajuster. Faites vraiment attention. Si la personne ou le commis ne peut pas l'ajuster pour vous, ça veut dire qu'il n'est pas assez compétent pour vous montrer à faire de la bière et il ne mérite pas de vous avoir comme client. Prenez ça en note.